Aïe 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 aïe, le temps est critique les amis, regardez juste là-haut, je suis à 11 975 trophées, c'est incroyable. J'espère que vous allez bien perso, ça vous pique comme d'hab les potes. Et on va se retrouver donc aujourd'hui pour faire ça, passer mes 12 000 trophées. C'est l'objectif complet de la vidéo et pour ça je vais partir avec mon Léon juste ici là, qui a 429 trophées. Donc on va bien s'amuser pour cette vidéo, on va essayer bien évidemment de passer les 12K ensemble, en plus des 16 000 abonnés qu'on a passé il y a pas si longtemps que ça. Donc merci infiniment et abonnez-vous et lâchez un pouce bleu si jamais vous aimez cette vidéo. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, les liens sont en description, Instagram, Twitter majoritairement. Il y a aussi mon Utip avec mon shop pour m'acheter des t-shirts Shiba Shiba ou Opec. Et le lien pour devenir sponsor à partir d'€1,99€. On ouvre donc la première boîte juste ici, la petite boîte, en espérant peut-être tomber sur un pouvoir star, pourquoi pas, moi je dis pas non. Et la grosse boîte, qu'est-ce qu'on a dedans, attention. 170 pièces, d'accord. Et ben on n'a rien eu de particulier et je regarde dans le magasin si jamais il n'y a pas de pouvoir star, absolument pas, je me souvenais absolument pas de ce que j'ai à y avait, mais il n'y a pas de pouvoir star, c'est dommage. On perd pas de temps, on attaque directement une partie, je suis chaud, oh putain, celle-là mon pote, je vais la gagner, oh ouais. On va essayer de se faire la meilleure place possible, hein, voilà, si possible on stat le top 1, hein. Si jamais on n'arrive pas à se taper le top 1, bah c'est pas grave, on essaiera de se faire autre chose, mais néanmoins on va quand même essayer de se faire le maximum de victoires possible pour récupérer un maximum de trophées possible. C'est l'objectif du jour, bien évidemment, de récupérer des trophées. Ah bah oui, m'amène, ah bah oui, complètement, c'est l'objectif du jour. Et là on va faire notre premier kill du coup, voilà, qui est ici. Ah bah, de cacalage qui fait tous les kills. Et là on va s'occuper peut-être de récupérer des box si possible ici. Donc là j'ai réussi à récupérer mes boîtes, moi c'est parfait, c'est nickel, je suis bien, je suis tranquille. J'ai mon ulti au cas où si jamais je dois pouvoir me barrer. Là-haut il faut faire gaffe, j'ai vu qu'il y avait aussi un mortis, donc on va faire attention à notre cul, sachant que là, la Rosa, elle avait peut-être envie de nous défoncer, tu vois. Étant donné que c'est quand même un niveau assez élevé en trophée, il y a, comment te dire, du temps, ça prend longtemps les parties en survivant. Regarde, on est tout juste 8 encore en vie, donc on va faire attention. Je vais utiliser mon ulti pour aller déglinguer ce foutu ricochet là qui campe ici, voilà, que j'aime pas du tout. Et là-haut il y a le mortis, du coup on va aller s'occuper de lui. Hop là, il est juste là-haut, je vais attendre de recharger toutes mes attaques pour pouvoir aller me le faire. Hop là, le mortis qui est à, qui a plus beaucoup de vie du tout, mais qu'on va pouvoir se finir maintenant. Parfait, excellent, j'ai 8 d'énergie. Normalement dans la logique je suis censé pouvoir faire du kill assez aisément, donc on va aller essayer de se faire ça auprès de la Rosa qui est juste à droite. Bien évidemment vous m'avez vu partir avec mon ulti, c'est pour essayer de pas d'avoir le plus de discrétion possible. Là je vais les laisser se fighter un petit peu le temps que le poison s'enlève, voilà, il s'est enlevé, et que ma vie se revienne toute seule. Je fais suffisamment de dégâts comme ça avec 10 boîtes d'énergie, donc on va quand même essayer de faire attention. On va essayer de se taper au moins les plus 10 trophées, ce serait sympa, les plus 10 du top 1. Le tic, bah navré pour toi mon tico là, mais tu peux rien faire de plus. Là moi je vais essayer de m'occuper de lui là ici. Oh là 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 là, je sens que je vais crever, je sens que je vais crever. Oh, le top 1, le top 1, le top 1 obligé. Oh oui, oui, le top 1 qui fait plaisir. Oh là là, il était tendu celui-là. J'ai pris des risques pour mes abonnés. Abonnez-vous. Oh la vache, ça fait plus 10 trophées sur mon Léon, c'est parfait, sachant que mon Léon quand même est rang 20 déjà de base. Je l'avais baissé énormément, j'avais fait énormément tomber en trophée celui-là, donc j'essaye de le remonter à plus de 500. Depuis les dernières mises à jour qu'il y a eu, j'ai l'impression qu'il a été un minimum buff, tu vois, et moins nerf que ce qu'il avait été auparavant. Donc là il est un peu plus agréable à jouer. Et on a on a pris beaucoup de trophées, il nous en reste que 15 là je crois, hein, pour passer à 500 TR. Donc vraiment on est bien là, on est super bien mon pote. Oh ouais 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 ouais. N'hésite pas à t'encourager toi-même dans les commentaires. À m'encourager bien évidemment et à me féliciter peut-être, je sais pas, ça dépendra si oui ou non j'arrive à passer les 12K d'ici la fin de la vidéo, on verra bien, mais dans la logique ça devrait pouvoir se faire. Là on va faire attention ici, comme on a vu qu'il y avait un Franck, on va éviter de se faire avoir trop aisément par le Francky. Là on va quand même, oh, peut-être allier nos forces avec un Korbach pour peut-être déglinguer du Francky, mais non, pas encore. On va faire attention à son ulti qui, je le rappelle, fait énormément de dégâts, sachant qu'il attaque vraiment de très très loin son ulti. Là de mon côté ça va, je suis vachement bien, j'ai réussi quand même à récupérer, hop là, pas mal d'énergie. Je vais ulti comme ça, au moins je vais essayer de me diriger vers le Korbach ici pour le terminer. Voilà, je vais terminer le Korbach, ça c'est fait. Attention à ce qu'il y ait personne dans l'herbe ici. On se méfie tout de même, on se méfie parce que à ce niveau de trophée les gens ont un minimum de savoir-faire dans la matière, tu vois, ils arrivent, hein, à te brain plutôt aisément. Donc on va faire gaffe, je vais rester ici sachant que j'ai peur de me faire dégommer, de me faire dépop ou me faire prendre comme si j'étais une merde. Oh, on va faire gaffe mon pote. Ah ouais. J'ai ces mimiques parfois quand je fais comme ça. Ah ouais mon pote. Il y en a un Léon qui a 4 d'énergie juste à ma droite. Il est même pas pouvoir 10, donc c'est parfait. On a la possibilité de lui faire vachement mal si jamais il nous vient au 4. On va essayer de se tenir un petit peu à distance de lui pour essayer de le faire venir. Ne pas se montrer, vraiment se la jouer safe, safe, safe. Également, on va faire attention parce que juste là-haut, au-dessus de ma 3, voilà, parfait. On a vu qu'il y avait, un primo. Donc le primo, il faudrait éviter de se le coltiner. On va se le coltiner, donc on va se le coltiner maintenant. Voilà, parfait. Oh bah le col. Oh bah ouais. Le primo qui était vraiment easy à des pop. On va s'occuper du Léon qui est juste ici, ma main. Voilà. Oh, j'ai failli la. Oh
Oh la vache, je me suis fait arracher le sgeg. Ça me fait tout de même du plus 5. Ouais, d'accord, plus 5 malgré la petite défaite. Mon Léon à 444. On va vite regarder à combien je suis de trophées. Je suis à pile 11 990. Il ne me manque que 5 trophées pour arriver aux 12 000. 10 trophées pour arriver aux 12 000. On lance la dernière partie qui semblerait être le top 1. Et si jamais c'est pas top 1 cette partie, j'en relance encore une. C'est pas grave. Là, on a bien vu l'option de facilité. C'est juste ici les 4 boîtes, bien évidemment. Mais il y a un boule qui va nous foncer sur la gueule pour essayer de les récupérer. Bah, il est pas con lui aussi, moi je te le dis, il est vraiment pas con le con. Mais moi je suis vraiment con si jamais je me mets au corps à corps face à lui. Donc là, oh putain, mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh là 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 là, j'ai pris vachement trop de risques. J'ai pris trop de risques, mais non! Je sais pas, j'ai auto-attaque, j'ai voulu viser le boule pour le défoncer, j'ai auto-attaque comme un sgeg, du coup ça fait moins 5. Ok, donc il nous manque plus que 15 trophées maintenant, on le sait, 15 trophées c'est définitif. On va essayer de récupérer les boîtes et de la jouer un minimum safe, comme ça au moins on arrive à tenir peut-être dans le top 3, ce qui nous rapporterait beaucoup de trophées, un minimum quand même. Je suis un petit peu déçu là, j'aurais aimé avoir mon ulti pour pouvoir aller attaquer, malheureusement ce n'est absolument pas le cas, il y a encore 5 personnes en jeu, moi compris, donc on va faire attention, on va attendre encore un petit peu, pourquoi pas, même si j'ai 7 d'énergie, ce serait risqué de prendre de l'avant, tu vois. On va les laisser se fight un petit peu comme si c'était un battle royale. Tu vois, tu laisses les deux derniers se fight et après toi t'attaques comme ça. Moi, tu prends les miettes et puis c'est fini, tu gagnes. Tout ça, ce sont des conseils que je vous file, les gars. Hein, vraiment, hein, de par exemple, de prendre le temps, voilà, d'attendre un petit peu qu'il y ait moins de personnes et de venir une fois qu'il y a quelqu'un qui se fight avec un autre. Tout ça, ce sont de bons conseils que je vous donne et ça vous permettra peut-être par moment d'assurer une victoire. Hein, ça, je vous fais pas dire. Regarde, là par exemple, ici, voilà, je suis venu au moment où ils étaient en train de se fight et du coup, j'ai récupéré le kill qui se faisait facile puisqu'ils étaient tous les deux abîmés. Ils avaient plus de vie. Donc là, le top 1, je l'ai fait vraiment les doigts dans le pif, hein, mais clairement, on regarde une dernière fois les trophées dans la logique, voilà, je suis à pile 11 995. On relance la dernière partie qui normalement devrait être la bonne pour les 12 000. C'est parti. Je vous le rappelle au cas où, si vous voyez qu'il y a un petit truc bizarre dans les vidéos, que ça a été tourné il y a un moment, c'est normal, c'est normal. Je suis en vacances au moment où vous regardez cette vidéo. Voilà, je suis au Portugal, à Porto avec Audrina. Donc suivez-moi sur Instagram. Il risque normalement d'y avoir des photos ou vidéos de mon petit séjour là-bas avec ma copine. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que j'ai réussi à esquiver une Piper qui essaie de me déglinguer. Donc on va avancer tout doucement, bien sagement, bien tranquillement. Là, on voit qu'il y a un kill qui a été effectué par un Monsieur Mortis. Et on va essayer de se taper Monsieur Mortis. Hop, là, on va fuir parce que... Oh, Monsieur Mortis me l'a mis mal. Là, vous voyez, mon erreur, c'est que j'ai joué beaucoup trop corps à corps. J'ai voulu vraiment être gourmand dans le kill, tu vois. Là, c'était vraiment l'erreur de cette partie. En tout cas, on va recommencer. On s'en fout, j'arrête pas tant que j'ai pas passé les 12 000. On fonce au mid parce que là, ici, j'ai vu qu'il y avait deux boîtes. Et ça vaut mieux le coup qu'une seule à gauche. Donc, on va quand même récupérer celle-là. Et je reviendrai après, c'est pas un souci. Alors là, j'ai le jean qui me tient vraiment à distance et je n'approuve absolument pas. La boîte qui était à droite a complètement disparu. Elle a été complètement chouave par le El Primo qui se trouve au-dessus, comme on peut à peine le voir. Là, il y a un potentiel kill à faire, là, ici, donc c'est vraiment pas mal. Faut quand même arriver à se la jouer assez safe, un minimum, parce qu'il y a quelqu'un aussi qui était dans le bush à droite, ça, on l'a vu. On va faire gaffe. Voilà, c'était une Rosa, une future Rosa des familles, là, qui se cachait, cette saleté. Mais la Rosa qui est complètement en PLS, du coup, et c'est... Oh, shit. Du coup, c'est le jean qui est en PLS. Et ici, on a un kill à récupérer, probablement. Oh non, je vais mourir. Oh non, c'est bon, j'ai réussi à faire mon kill. Ah, putain, je suis mort. Fais chier, ça. Je suis mort en 6ème place, bordel. Moins un trophée. Attention, on va voir combien j'ai de trophées. Aïe, 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 aïe. J'en ai complètement mal à la tête à force de tourner toutes ces vidéos, je vous jure. J'ai tourné 8 vidéos, 9, je sais plus. Beaucoup trop. Mais je suis tellement hypé du fait de partir en vacances. J'ai pas voulu vous laisser sans vidéo, forcément. Voilà. Après, je suis sûr que vous êtes pas sans vidéo. Il y a tout plein de youtubeurs qui postent des vidéos que vous suivez, c'est obligé. Mais je me dis, j'ai pas envie d'abandonner ma communauté en leur laissant aucune vidéo en attendant le temps que je parte en vacances. Je me sentais obligé de vous tourner des petites vidéos pour le plaisir des yeux, mon pote. On va se caler ici, pouf, et on va attendre un petit peu. On a 3 d'énergie, c'est pas mal. On va recommencer comme tout à l'heure et y aller mollo. Sachant que si j'arrive à faire un top 1 dans la logique, je pourrais potentiellement me classer à 999 trophées. Hop là, juste ici, on en récupère un nouveau kill. On va se positionner ici, voilà, comme ça au moins on est un petit peu à l'abri toujours, on essaie de se la jouer toujours assez safe, quoi, j'ai envie de te dire. On va s'occuper du Karl qui m'avait pas vu, voilà, il a pas vu que je m'étais transformé en invisibilité totale. Oh, je me tape une chélie de merde. Oh là, putain, j'ai réussi à dégarpir au pile au bon moment, donc on va essayer de dégarpir encore ailleurs, ici possiblement. Oui, parfait, j'ai réussi à rentrer dans le bush, je crois que j'ai su rentrer pile à temps. Elle m'a pas vu, je crois, la chélie. En tout cas, elle m'a lancé un ulti, elle m'a fait peur, cette connasse, je te jure. Surtout que là, c'est quand même la partie du top 2, quoi, du top 3 pour l'instant et top 2 après, quoi. Donc je vais essayer de m'occuper de la Shelly un minimum, voilà. Et oh, elle a pansement, donc on va faire gaffe à elle, vraiment, ça risque d'être hyper méga tendu. La Rosa qui est en train de se fight face à elle, on va éviter de se taper la Rosa, comme ça au moins, si jamais on a la possibilité
possibilité de faire top 1 sans qu'elle débloque son ulti. Elle a débloqué son ulti. C'est dommage, le top 2. Bon, c'est déjà mieux que rien, je me plains, mais c'est déjà mieux que rien. Ça nous fait plus 8. Et plus 8 trophées, 11 997. Plus que une partie. Si jamais ça se passe bien, je vais la jouer safe sa mère. Lâche ton méga pouce bleu, frérot, parce que là, c'est le moment de le lâcher. Là, tu vois, là, c'est le moment de faire plaisir avec le bouton. C'est la game des 12 000. En plus, il y a quelqu'un qui est en train de regarder ce que je suis en train de faire. Ça me fout une stress, un stress monumental, frérot. On va aller récupérer la boîte qui est juste ici. Surtout que là, pour l'instant, je me la joue absolument pas safe, puisque du coup, je fonce carrément récupérer les boîtes. Mais je suis vraiment le plus gros thug de tous les thugs. Ici, je fais un kill, excellent. C'est, je vais peut-être m'en faire un deuxième, absolument pas. Je vais partir avec mon ulti, je pense, parce qu'au moins comme ça, je risque pas de crever comme de la... Oh, le tic. Oh, le tic, je vais me le faire, le tic. Voilà, j'ai réussi à me faire le tic. Voilà, il reste déjà 6 personnes. C'est incroyable à quel point ça va vite. Cette partie, elle cycle monumentalement vite, mon frérot. Donc, je vais patienter maintenant que je suis plutôt bien. Quoique ici, attends, je vais me faire le beau qui avait... Oh, putain, j'ai eu peur à cause du beau. 6 d'énergie, on va attendre un peu. Là, le boule qui me vient sur la tronche, je sais pas ce qu'il veut lui, mais je crois qu'il veut se faire des pop. On va vraiment, vraiment essayer de se la jouer la plus safe possible, parce que là, j'ai vraiment envie de me faire un top 2 ou un top 1 si possible. Même si je sais qu'il me manque que 2-3 trophées pour pouvoir passer au rang sup. Donc, à 12 000 trophées, t'imagines 12 000 quand même ce que ça représente. Ça fait 2 ans que je joue au jeu, je suis tout juste à 12 000 trophées. Voilà, en l'espace de 1 mois, j'ai pris je ne sais combien de milliers de trophées, alors qu'il m'a fallu 2 ans pour prendre seulement 10 000. Et 1 mois pour en prendre 3 000, t'imagines quand même. J'ai carrément aucun respect. Je bois alors que je suis dans ma partie voilà. Là, je peux mourir. Là, je sais que je passe mes 12 000. Ça y est, je suis content. Je sais que j'ai mes 12 000 trophées. C'est... Laisse tomber. On va quand même chercher le top 1. Hein. Ce serait pas rigolo sinon. On va quand même se chercher le top 1. On va attendre un peu, hein, toujours. Et au dernier moment, j'utilise mon ulti pour être vraiment le plus invisible possible, le plus discret possible et aller récupérer le kill au corps à corps. Là, hein. C'est clairement ça. Là, maintenant qu'il y a la zone qui est sur moi, je fonce. Je vais essayer de récupérer peut-être ici. Non, absolument pas. Ça se joue ici. Le léon juste là. J'arrive à faire le kill du léon. Et maintenant, ça se joue sur la Shelly qui est juste ici. Je crois qu'elle a pansement. Je crois que c'est celle de tout à l'heure. Donc on va devoir faire gaffe. Oh là là, putain, le top 1. Ça y est, c'est parfait. Oh, c'est magnifique. Attends. Je veux. Oh là là. Plus 10 trophées. Voilà, nickel. Numéro 1. Ok, d'accord. Mon Léon qui est à 461, qui a réussi à remonter du coup. Putain, c'est magnifique. Et je passe enfin la barre des 12 000 trophées. Oh là là, c'est monumental. Les 12 000 trophées qui sont là. Je suis putain de content, mon gars. Mais putain de content. Sans te mentir, frérot, ça fait hyper méga plaisir de pouvoir enfin repasser la barre des 460 sur Léon. Et de passer la barre des 12 000 de manière globale, hein, carrément, parce que là je suis à mon putain de record de trophées, j'ai jamais été aussi haut. 12 000 trophées, c'est vraiment énorme. De plus, on a une méga boîte à ouvrir, donc on va se l'ouvrir tout de suite. Voilà, parce que j'ai pas de temps à perdre avec ça, je kiffe. J'espère avoir un nouveau pouvoir star parmi tous les autres qui avaient déjà. Ça me fait 420 pièces, c'est pas dégueulasse, et seulement un ticket d'événement. Ah, oh, la pire méga boîte. Je me serais attendu au moins à avoir un pouvoir star malgré, je veux dire, j'ai plus aucun perso à monter, j'ai plus rien. Surtout que j'ai toujours pas le pouvoir star de Tic, voilà, qui est toujours pouvoir 9 lui, de ce monsieur. Donc c'est un peu dommage. Mais en tout cas, voilà les amis, moi ça me fait vraiment plaisir de pouvoir enfin avoir passé la barre des 12 000 trophées. Je te jure mon pote, je suis hyper méga content, ça fait extrêmement plaisir. J'espère que t'as aimé cette vidéo, donc si c'est le cas, fais-le moi savoir dans les commentaires comme d'habitude, avec un gros pouce bleu mon ami, un gros like. Partage cette vidéo sur les réseaux sociaux bien évidemment, si jamais tu veux faire venir tes potes sur la chaîne. Aide-moi à me faire connaître un peu plus, ça me ferait vraiment plaisir. Et n'oublie pas bien évidemment donc de t'abonner, d'aller me suivre sur les réseaux sociaux, tous les liens en description. On se dit à dans 2 jours pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous la famille, c'était Tib. Ciao ciao.